Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer tous les échantillons que j'ai reçus. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo pour les échantillons, d'où le nombre que j'ai là. Ensuite, je vais vous montrer mes gains conco. J'ai pas énormément, du coup, je vais mettre tout dans une seule vidéo. Et j'en ai reçu que 6 lots de jeux conco. Bref, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par le magazine Lego que vous connaissez maintenant. J'en reçois régulièrement. Il faut juste s'abonner à Lego et voilà, vous allez recevoir le magazine chez vous. J'ai aussi reçu le magazine Azuré Va, comme ça. Voilà. Ça aussi, je crois que j'en ai déjà reçu d'autres avant. Le magazine Florence Nature aussi. Dedans, il y a des bons de réduction. Des fois, il y a des échantillons, mais c'est très très rare qu'on reçoive des échantillons. Avant, on recevait pas mal d'échantillons. Maintenant, on ne reçoit pas trop. J'ai reçu une enveloppe comme ceci. Et dedans, je crois que c'est le magazine Europe. Attends, je vais regarder déjà. Ah non. Ah, c'était le magazine. Alors, Découvert la belle de l'océan. C'est le magazine, je crois. Troisième Hero Collection. Ah non, je croyais que c'était un magazine pour enfants, mais non, c'est une brochure. Une brochure de Croisière Europe Collection. Voilà, comme ceci. Je jette par terre, je vais ramasser après. Ensuite, une autre enveloppe là. Et dedans, il y a une petite échantillon de sérum Magnifica de Sanoflore. Comme ceci. Le petit échantillon est ici. J'ai une autre petite pochette comme ça. J'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo dure longtemps. Et dedans, il y a une petite échantillon de Narciso Rodriguez. Comme ça, il est un petit peu cassé la boîte, mais bon, l'échantillon est encore en bon état. Et dans chaque échantillon, on a toujours une petite brochure. Comme ça, des fois, il y a des petits codes promo ou des bons plans sur les petits brochures. J'ai également reçu un échantillon, je ne sais pas si vous voyez bien là, hop. Je vais essayer de voir, voilà. De Miss Dior, qui se présente comme ceci. Il est trop beau. Et là, le petit échantillon et la petite brochure, comme d'hab. Il y a également de Paco Rabanne, échantillon comme ceci. Voilà, attends, je vais. Alors, l'échantillon se présente comme ceci. Voilà. Et dans celle-là, il n'y a pas de brochure, mais elle est toute belle, la boîte. Ici, c'est la petite robe noire de Guerlain. Voilà, hop, j'ai fait tomber la petite brochure, mais là, voilà le petit échantillon. J'ai de Lancôme une, voilà, comme ceci, un échantillon de fond de teint, la petite brochure et le petit échantillon. C'est une petite miniature quand même. Voilà. Les pochettes. J'ai ce pochette-là, c'est de Mercedes-Benz. Je sais pas si je prononce bien, mais bon. C'est échantillon également, je pense. Et hop, voilà. Ah, il y en a trois. Ils ont été généreux, hein. Il y en a trois petits échantillons comme ceci et le code promo derrière. J'ai petite pochette comme ça. Là, c'est Paco Rabanne. Et voilà, petit échantillon et la petite brochure. Je vous mettrai les liens des groupes sur lesquels je gagne ces échantillons. J'ai également petite pochette en jante dorée de Paco Rabanne également. Il y a pas mal de Paco Rabanne. Alors là, pour 70 euros d'achat, vous avez un sac. Mais bon, voilà, petit échantillon comme ceci. Un sac de voyage pour 70 euros de. Une autre pochette comme ça de Givenchy. Et dedans, on a. Oh! Alors, c'est quoi? Un fond de. Il y en a deux petits échantillons de fond de teint comme ceci. Et un petit échantillon de parfum irrésistible. Et la petite brochure sans oublier. Voilà. Une autre. Pochettes. Les pochettes se ressemblent, mais c'est pas les mêmes parfums. Hein. Alors là, celle-là, rose comme ça, c'est Carolina Herrera. Parce que des fois, on voit les mêmes pochettes, mais c'est pas les mêmes parfums. Attention, j'ai pas fait des doublons. Je sais qu'il y a des rageux des fois qui aiment pas ça.
Voilà. Et dedans, oh, il est magnifique celui-là, regarde. Comme ça. Bon, après, l'échantillon, il parlait même, le packaging est joli, mais pour tester, je pense que ça va être une petite languette. Voilà, c'est deux Good Girls. Ensuite, notre pochette noire comme ceci. Et dedans, c'est Givenchy. Voilà, Givenchy Gentleman Society. Voilà. Notre pochette rosée. Alors, ici, c'est Zac de Béthène. Je sais pas si je prononce. Moi, mes prononciations. Alors, là, on a note de Chanel, extraordinaire énergie d'un camélia. Alors, j'ai deux comme ça. Le premier, c'est une crème riche revitalisante. Je crois que c'est une petite miniature. Hop, comme ceci. Et ici, c'est un sérum revitalisant. Voilà, j'ai des petites miniatures comme ça. Et la dernière échantillon, pochette noire. En fait, à chaque fois que je veux faire vite. Alors, ici également, il y a une petite miniature. Oh, c'est trop cute! Voilà. Oh, est-ce que vous voyez bien là? Alors, ici, c'est un mascara, un mini mascara. C'est trop cute! Je vais devoir le cacher parce que sinon ma fille va l'en piquer. Elle va me le piquer, je suis sûre. Voilà. Alors, j'ai eu tout ça comme échantillon. En plus, j'en ai jeté quelques-uns là dans les packages, mais voilà. Pour 2 3 mois, j'irai voir et je vous mettrai le nombre de mois que j'ai pas fait d'ouverture d'échantillons. Ensuite, je vais vous dire les deux gains dématérialisés que j'ai gagnés. Alors, le premier, c'est un bouquet. Je pourrais pas vous le montrer puisque j'ai pas récupéré. Comme vous le savez, c'est vrai que je fais des jeux concours, mais j'apprends encore chaque jour. Et je sais que avant, même maintenant, de temps en temps, j'en fais l'erreur, mais il y a des amis, des super copines concouristes qui me le signalent à chaque fois que je joue sur des concours qui sont pas éligibles en France. Bref. Mais là, par contre, c'était éligible en France et j'ai bien vérifié et tout. Sauf que ils n'avaient pas mis qu'il fallait avoir un magasin près de chez soi. Et moi, j'avais pas ce magasin-là près de chez moi et du coup, j'ai pas pu récupérer. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je ne savais pas non plus comment faire pour que quelqu'un puisse le récupérer et en profiter. Maintenant, je sais que je peux faire une petite pause. Prochaine fois, si ça m'arrive, je le ferai. Comme ça, quelqu'un d'autre pourra en profiter. Il y a ça. Et deuxième lot, pareil, c'est un gros. Voilà. C'est 50 euros à Franprix. Alors, celle-là, puisqu'il y avait plusieurs gagnants, j'ai dit, je vais vérifier si j'en ai près de chez moi. Effectivement, j'en avais plein. J'en avais, je crois, une quinzaine de magasins près de chez moi. Sauf que quand j'ai gagné le lot et j'ai voulu l'utiliser, j'ai mis mon adresse, ils m'ont dit que tous les magasins qui sont près de chez moi sont fermés. Le plus proche est à 1 heure, pas loin de quelqu'un que je connais et là où je vais souvent. Du coup, je me suis dit que je vais l'utiliser quand j'irai la voir. Mais c'est un petit peu, voilà. Je m'attendais à ce que ce soit près de chez moi, d'en profiter tout de suite, mais bon, je vais attendre un petit peu. 50 euros, c'est pas négligeable du tout, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Bref, je vais continuer avec ce gain que j'ai déjà ouvert puisque je devais faire des photos et tout. Qui, voilà, attends. Par contre, je crois que j'ai enlevé le. Il y avait un petit. Ah non, j'ai la colonne. Alors, il y a les deux petits brochures. Alors, j'ai gagné ce concours sur TikTok by Kissing on My Moon. Je ne sais pas si vous allez bien, voilà. Kiss on my moon. Elle m'a laissé un petit message. Merci Angelica, j'espère que ta lettre d'amour te plaira. Belle découverte. Alors, c'était un gain surprise. Bon, ça ne va pas me surprendre puisque j'ai déjà vu, mais je peux vous dire que j'adore. Par contre, je pense que je vais la garder pour ma fille. Je ne vais pas la montrer, mais bon, encore, elle fera. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois, dès qu'elle fait quelque chose de bien. C'est pas récompensé, mais de lui montrer chaque chose qu'elle fait, qui est bien et tout, ça peut être récompensé différemment. Bref. Et là, j'ai gardé ça, je me suis dit, parce que des fois aussi, elle a des coups de mou parce que
Elle a des amis, mais ses amis sont juste à l'école. Elle n'a pas d'amis en dehors de l'école. Du coup, des fois, on fait des petits trucs pour. Voilà. Et ça, je pense que je vais les garder quand elle a un petit coup de mou ou pour une occasion, je ne sais pas moi. Bref, je vais la garder. Une petite surprise, quoi. De temps en temps, j'aime bien leur faire des surprises à mes bébés. Sans attendre Noël ou leur anniversaire. Et ça, je vais le garder pour elle. Ah merde, à force de parler, je ne vous ai pas compris. Je vous ai pas montré en fait il est comme ça et puis ça s'ouvre comme ça et dedans il y a un petit mot comme ça, love you. Et je pense qu'on peut on peut mettre quelque chose ici pour faire une autre chaînette ou quoi, un autre collier, mais bon j'aime beaucoup, elle va adorer, je suis sûre. Bon, ça, je vais la cacher pour elle et je l'offrirai à une occasion. Ensuite, petite lettre. Ça, c'est un gain Facebook. Je croyais que c'était un acte à force d'avoir des messages de trucs. Vous avez gagné, vous avez gagné, vous avez gagné. J'ai rien gagné. Au fait, je suis allée vérifier et j'ai effectivement gagné. J'ai vérifié d'abord avant de donner mes coordonnées quand même. Et j'étais super contente. Suite à votre participation au jeu concours Maison de la Presse X, le grand siècle, nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez remporté deux invitations valables pour deux personnes pour découvrir le film Le Grand Siècle, la nouvelle comédie de l'humoriste incontournable Boudet. Boudet! Actuellement au cinéma. En fait, je suis en train de rigoler de ma gueule moi-même. Bref, je suis en train de me moquer de moi-même. Comme il n'y a pas écrit mon nom, du coup, je peux vous le montrer. Voilà. Et j'ai eu quatre places. Il y a écrit deux places, mais en fait, valable pour deux personnes toute la semaine dans toutes les salles. Du coup, je pense que c'est quatre places. Alors, vous qui allez sur moi, je ne suis jamais allée hein, au cinéma depuis que je suis en France. À Maurice, je suis allée, je crois, deux fois. Alors, ma fille, elle est partie, elle est déjà partie, mon compagnon aussi, mais moi, non. Du coup, celle-là, j'irai le voir, mais juste me dire, comme c'est écrit, voilà, pour deux personnes. C'est-à-dire, là, c'est deux, ici, c'est deux qui fait quatre places. Parce que sur l'annonce, c'était écrit quatre places, mais ici, c'est écrit deux places. Bref, j'ai quatre places, je pense. J'espère qu'ils ne vont pas me le refuser comme à. Je sais plus, je crois que c'était fait la dame qui fait des concours, là. Qui fait des vidéos aussi là, elle avait dit que ces quatre là n'étaient pas passés, les quatre cadeaux ciné n'étaient pas passés, du coup ça me... Mais je vais aller demander avant d'y aller. J'ai reçu ce lot TikTok de calendrier de l'Avent, la beauté inédite. Ouais, la beauté inédite. Et c'est maintenant que je l'ai reçu. Ils avaient même oublié de me le dire. C'est un MAC charbon détox. Ah, c'est surtout tout. C'est trop cool de Patika. En plus, c'est une marque trop bien que j'aime beaucoup. Et pour finir, je sors que j'ai ouvert parce que j'ai envie de voir. Et dedans, ça c'est un test. Je crois qu'il est encore. Je vais, au fait, je vais chercher. Je vais rechercher le où quand je tombe dessus sur les tests. Je vais le poster sur mon NQRB. T'as reçu quoi? Andy Robé, je crois, c'est un truc comme ça. À force de pas utiliser la page, je sais plus. Mais je vais le mettre comme ça, vous allez pouvoir en profiter aussi. Parce que j'en ai revu, mais je ne peux pas participer à chaque fois. Je ne pense pas que je vais être sélectionnée à chaque fois. Mais là, j'ai été sélectionnée pour un livre d'une valeur de 100 euros. J'ai payé juste le frais de livraison qui était à 5 euros. Et là, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des codes promo de 50 euros, etc. pour faire. Alors, je vais vous montrer Rapidas. Regarde. En fait, je vous montre puisque c'est des photos qui sont déjà sur mon Facebook. Mais que là. Et là, c'est en céramique. Regarde. Je vais juste tourner comme ça. C'est en céramique, là. C'est marie-épée. Alors, voilà les photos. Je vais juste vous montrer les défauts. Alors, ces photos-là, ils sont bien imprimés parce que c'est des photos en HD. C'était déjà sur mon téléphone et tout. Par contre, ceux que j'ai récupérés sur Facebook ou que mon chéri m'a envoyé par WhatsApp, ça, c'est pas sorti nickel, nickel. Regarde celle-là. J'adore, j'aime trop. Et je vais vous montrer une que. Ça m'a fait trop trop mal parce que j'ai voulu avoir ma petite famille de l'île Maurice sur une de mes dans mon album, sauf que la photo c'est pas ça du tout,
C'est catastrophe, quoi. C'est comme si on a pris ma tête, on a mis sur la tête de mon père, la tête de mon père. Ça... Mais c'est pas, comment ça là? C'est pas la société qui a fait l'erreur, c'est moi. C'est parce que j'ai utilisé des photos qui n'étaient pas haute définition, voilà. Mais sinon, le reste est nickel. Les feuilles, ils sont épais, ils sont marrés épais. Le livret, il est très très épais, chaque feuille, tout. J'aime trop, on garde ça. Voilà. Bref, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!